80 à 85% éducation ici au Mexique, c'est gratis qu'elle est. J'en ai qu'on dit dans le pays, nous, gratis, t'y chérie. Ça veut dire, ici au Mexique, c'est l'État qui investit dans l'éducation. L'école privée qui a représenté pratiquement 5 à 10%. OK? Mais on a parlé de 85 à 90%, c'est public qu'elle est. Ça veut dire, tout le monde dans le pays, ça a accès pour aller à l'école gratis. Tout le monde. Et dans l'université de l'État, oui, il n'y a pas son petit concours, non, pour être capable de voir qui niveau qu'on vient ensemble avec elle. OK? Mais, pratiquement, concours ça, sur chaque 100 personnes qui ont participé dans le concours de l'État, on a dit 80, 90 passés dans eux. OK? Il y a tellement de systèmes ouverts pour former les gens. Vous comprenez? L'école basique même, quel que soit, les gens qui partent ici, même petit migrant qui partent au moins sans papier dans le pays, ils recevront l'école. Ils recevront l'école ni kinder, ni primaire, ni secondaire, ni préparatoire. On prend depuis son petit, un monde qui migrant là, qui part là, on prend, ils mettent pas de bon mot sur papier, ils ne peuvent pas quitter petit dans la rue. Et quel que soit dans moi, mon dans ta vie. Quel que soit dans moi, arrivé à recevoir l'école. Quel que soit dans moi. Moi-même, je fais plusieurs ici entre l'école là. On prend, on dit, on prend, et pasteur Frisnel, dame, visite moi l'école. Rapidement, nous orienter les gens vers l'école, et puis, dans demain matin, petit dit, à l'école, on va, dans demain matin, c'est vers faire uniforme, et puis, petit monde l'école. Il y a des gens qui font des études ici là déjà. Par exemple, il y a un jeune haïtien qui t'a voulu entrer dans l'université, quel était l'État, quel était privé, qui genre de critères qui ont demandé ici au niveau des documents, par exemple? Au niveau des documents, et faut gagner un papier baccalauréat haïtien. Si ils avaient dit, son monde qui finit études classiques là en Haïti déjà. Il faut venir ensemble avec les documents et Haïti, baccalauréat. Il faut déjà légaliser en Haïti. Il faut déjà légaliser et dans l'instance pour légaliser en Haïti et l'ambassade Mexique qui est en Haïti. OK? Et l'arrivée ici, on traduit le document ça. On y a là où aller dans SEP, qui est l'équivalence ministère de l'Éducation nationale en Haïti. Et ici, il y a le secrétariat de l'éducation publique. OK? Ou aller là, gagner un département en dedans même pour révalider et études sont faites en Haïti. Et du moment qu'ils révalident rapidement, ou gagne accès pour entrer à l'université, j'en veux. Mais gagner un point spécial pour un monde qui est réfugié. Réfugié, pas besoin de tout bagaille ça. Parce que le fait qu'ils sont réfugiés, ils connaissent un monde qui soit un petit problème dans le pays ou comprennent ou pas qu'à tourner pour iPhone. Et à pour iPhone, c'est des bagailles. Toute porte université Mexique ouvre pour vous comme migrant ou entrer étudier sans problème. Parce que première condition de ce barouah, c'est pour un monde qui entre Mexique normal. On voit qui parle. Effectivement. Moun sa li même obligatoirement, faut y venir avec documents ça. Mais pour un réfugié, par un bagaille comme ça. Depuis ces réfugiés, d'ailleurs, je dis toujours ça. Si on réfugie haïtien, t'es con, ça Mexique t'es offrir, m'a garanti, c'est chital, tap chita, c'est real, tap ri tellement, il y a un bénéfice pour lui dans le pays Mexique. Nous avons une vidéo spéciale sur ça parce que nous avons parlé dans les coulisses sur tout avantage qui ont réfugié haïtien et qui recevoir soit refuge ou bien protection complémentaire, capable de bénéficier.